Allô! Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre une nouvelle règle pour te permettre de mieux écrire les mots. C'est la règle de la clé. J'ai trouvé un coffre au trésor, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai aussi trouvé plusieurs clés, mais je ne sais pas lesquelles pour ouvrir le coffre. Alors j'ai besoin de ton aide. Clé du cochon, ouvre le coffre. Oh, je peux ouvrir mon coffre. Je vais l'écrire au tableau. Clé du kiwi, ouvre le coffre. Non, celle-là, elle ne fonctionne pas. Clé de la cabane, ouvre le coffre. Oh, elle fonctionne. Clé du qui, ouvre le coffre. Non. Clé du cadeau, ouvre le coffre. Oh, j'ai réussi. Clé du 4, ouvre le coffre. Non. Clé du couteau, ouvre le coffre. Ça fonctionne. Il me reste une clé à essayer. Clé du koala, ouvre le coffre. Non. J'ai trouvé quatre clés pour ouvrir mon coffre. Allons voir. Cochon, cabane, cadeau, couteau. Ils commencent tous par la lettre C. Lorsque tu entends le son k en début d'un mot, le plus souvent, tu dois écrire la lettre C. Pense à les clés. Les mots de la loi sont des mots qui ne respectent pas la règle, comme par exemple le mot kiwi. Et le mot kangourou. Tu entends le son k en début du mot, mais il s'écrit avec la lettre k. Kiwi, kangourou. Il y a aussi le mot ki.
le mot quand. Le mot que. Et le mot 4. Tu entends le son k en début du mot, mais celui-ci s'écrit avec les lettres QU. Qui, quand, que, 4. Mais rappelle-toi, le plus souvent, lorsque tu entends le son k en début d'un mot, tu dois écrire la lettre C comme dans cochon, cabane, cadeau, couteau. Pense à mes clés.